Voilà, allez, on va continuer. On va jouer pendant 30-40 minutes et après on va arrêter. Au fatigue de ces têtes. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant qu'Artyom sorte avec sa radio et se prenne toutes ses radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs, maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'Arche. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu des gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès pour l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Bien sûr, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux, le commandement. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leurs fesses? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit? Si jamais... Pasteur, je suis en train de chercher la radio, j'entends rien. Signal, tu comprendras tout de suite. Sinon, c'est qu'il n'y a rien à dire. Tu t'imagines que trouver cette arche dont tu parles, ça va tout arranger? Non, je crois pas. Mais si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'en prie. Oui, j'en ai une. Trouver un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Tous les balanciers à l'ennemi? En vrai, une bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes avant de voler à la rescousse de tout Moscou. D'accord? Qu'est-ce que ça donne, Artyom? Tu trouves quelque chose? Il y a tout un monde là-dehors. Un monde où on pourrait vivre. Pour l'instant, on est sûr que d'une seule chose. Les niveaux de radiation sont plutôt faibles. L'air est respirable, mais la pluie, par contre... Et alors? On pouvait même pas respirer à Moscou. Et alors? Il y a des habitants par ici? On n'en sait rien. Comment ils vont nous recevoir? Ça, j'en sais rien non plus. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils apprenaient qu'il y a des survivants en Moscou? Attends, c'était quoi ça? Écoutez, vous tous! Très bien. À quel endroit est-ce que ces chiffres correspondent?
Je l'ai. Alors, c'est quelque part par ici. Le mont Diamantaon. Alors, pour l'atteindre, il faut passer par là. Voilà notre objectif. Alors, c'est ça que tu avais en tête? Oui, exactement. Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. Voilà, bonne question. Il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Excellente réaction. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça, oui, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Dieu, c'est quoi? Il est plus que temps, oui. Quand le Hana, ça ira bien. Va te faire voir. Je sens pas la fin là. Allez, quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de. Vous savez quoi? Beaucoup mieux. Eh, hey, pas mal. Ça me plaît. Un nom ravissant. C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Buvons à l'Aurora! À l'Aurora! Moi bon, j'ai un trophée. Aurora. Ouh. Hey, Artyom, jetons un œil à cette carte. Très bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yarmak, en avant à toute vapeur. En avant à toute vapeur. Eh bien, c'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma femme? J'ai rien compris. Comment tu te sens, Anouk? Oui, qu'est-ce que je regarde sur la carte? Tu es sûr que ça va? Parce que je te connais. Je te signale que les cicatrices, ça attire les femmes. Et elles sont nombreuses à m'attendre ce soir, non? Oh, tu sais, c'est plus la qualité que la quantité. J'ai fait quoi, là? Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantaou, si on y arrive. D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi, et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses? Pas trop congelé, mon amour? Tiens, essaie de te réchauffer un peu. Alors, quelles sont nos chances d'arriver à Yamantaou en vie, selon toi? Mon père n'a plus que ça en tête. Comment obtenir son pardon? Comment retrouver le métro et son ancienne vie? La vie à laquelle tu as toujours voulu échapper. Quand je pense que je voulais pas te croire. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard, je me dis que notre avenir se cache peut-être juste là, derrière. À propos, le pont devrait plus être très loin. Mon petit pote, tu parlais pas. Un feu de camp! Des gens! Il y a des gens ici! Pour moi, il parlait, on l'a deux fois. Je sais plus du tout. Oh,
sud. On nous tire dessus. Quatre types dans un... Hein? Qu'est-ce que j'ai fait là? Eh, casse-toi. Tout le monde à son poste. Artyom, tu devrais peut-être rejoindre la cabine. J'ai la cabine. Tout va bien, Artyom? Bordel! Ils ont perché un piston! C'est grave? On peut avancer? Non, on est bloqué! Oh, merde! Saleté de brouillard! On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui c'était? Ils avaient des uniformes? Non. Rien de déloque. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le wagonnet se dirige vers le pont. Il y a des fortifications là-bas. Ça a l'air tranquille. Un village avec une église entourée d'eau. On a besoin d'infos. Tiens, Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui, chef. Je peux accompagner Artyom en soutien. Non, tant qu'on n'en saura pas plus, pas question que tu descendes de l'Aurora. Ces deux-là se débrouilleront très bien tout seuls. C'est parti, Artyom. Pour m'appeler mon chéri ou j'en sais rien, mais c'est bizarre qu'elle m'appelle Artyom, quoi. C'est un peu ma femme quand même. Je... Okay. Elle avance aussi. N'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle. Un atelier mobile, pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. Okay. La maison ne fournit pas les matériaux de confection, alors prends tout ce que tu trouveras. Allons-y, Artyom. Faites attention à vous. Oh, là c'est la carte. Ok, attends, cocotte. Laisse-moi. Comment je peux regarder mon sac à dos là, comme il dit? Il ressemblait à tout sauf à des soldats. Ok. Là on change d'arme, ça ne change pas. Carré, rond, X. Ok. Ok. Boîte de conserve, j'ai jeté. Pas de boîte de conserve, mais on s'est compris quoi. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. On descend. Waouh, c'était génial. Peut-être faut pas grand chose pour te faire plaisir, toi. Hé, hey, qu'est-ce que c'était? Tu veux bien vérifier? Prépare parce que je le sens que je vais sursauter. Rien. Tu m'as dit de fouiller, je fouille. J'ai inspecté les environs pendant que tu étais à l'intérieur. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va.
C'est vrai que je l'ai pas fait encore. Là, un lapin. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a son lapin? Je fouille avant. Je sais pas ce que j'ai récupéré là, mec, mais j'ai récupéré quoi. Attends. Non, je vais garder mon gun. Celui-là, il est bien. Il est mieux que. Non, mais putain, je suis con, je viens de le dire. Voilà, j'ai fait de la merde comme un con. Je suis désolé. C'est pas du tout. Parce que je regarde des trucs. Pourquoi là je pouvais. Je comprends pas. Attends, mais il y en a combien d'armes? Mais pourquoi que je prends, change d'arme? Là ils me font orange, j'ai pas envie. Oh non, je vais garder celui-là. Je vais en garder celui-là, je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle m'a dit une barque, j'ai pas trop compris. Elle est où? Elle est partie où? Ah, là-bas. Ok, c'est important les champignons. Ok. Mais ça j'ai compris que mon arme est sale, je sais pas quoi. Après il faut un établi, mais mec l'établi je le sors où? Et je veux bien mais on m'en donnait un quoi. Là, je fouille hein, parce que les objets ils ont l'air d'être vraiment importants dans le jeu là. En plus faut nettoyer les armes tout. Sauf je sais pas où il peut être le. Bon, on va reprendre ça. Hein. Là-haut pendant que tu rejoins l'église en bas. Tu
Putain, je me suis foutu la gueule dans l'eau. Contact, dès que je suis installé. Trophée, régate. Ok. Oh, comme c'est dur les jeux, les gâchettes. J'adore quand c'est joué comme ça. Vous voulez même les gars, même les touches ont, elles ont un rôle. C'est quoi ça? C'est quoi ces crevisses? Attends. Ah, mais elle est pas montée avec moi? Ça me dit quelque chose, ça. Je n'ai jamais joué à celui-là, mais ce passage, ça me dit déjà quelque chose avec la cloche. Putain, j'ai un truc qui me gratouille l'œil. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose, le passage. Je finis de fouiller là, y a rien là. Comme pas ça, y a rien quoi. 8h, je trouve des trucs de fou et là y'a rien. Bon, bon, on va aller là-bas. Et comment j'y vais là-bas, moi? Attends, mais. Je dois prendre mon bateau? Merde, je suis tombé! Oh non! Attends, je peux sortir de cette merde au moins là, oui. Ça tombe bien que je suis tombé là, au moins. Pourquoi il est orange? Mais c'est le même que j'ai. J'ai peur de faire une connerie. J'ai enlevé le... Ouais, oh, je le prends plus. Que j'ai enlevé le... Ah, attends, non. Ah, ok. Bah non. Je me rends rien. J'essaie de comprendre, hein. Je regarde... Ah, je vais prendre celui-là. Pour l'instant. Bah, faut du compte, j'aurais dû prendre l'autre là-bas, quoi. Je savais pas que j'allais faire une connerie sur mon arme. Tant pis. Et je sais pas comment je peux faire, comme il m'a parlé du sac là. Ah non, là c'est la caméra, je m'en bats les steaks de ça. Là c'est soigné. Comment je peux ouvrir mon inventaire? Y'a pas un bouton pour ouvrir son inventaire? Ah bah si. Donc attends, on va faire un truc avant. Parce que si je peux remettre l'objet sur mon arme, je vais le faire. Alors comment j'ai fait?
comme ça, X. On va faire ça avant et on va aller à la cloche là. C'est-à-dire faut que chaque fois je démonte mes armes. Oh ouais, trop bien. Ah bah là j'ai plus. Mais je pouvais y mettre sur celui-là. Ok. Ça, c'est bon à savoir ça. C'est-à-dire les armes du pistolet, je peux les mettre. Ah mais attends. Parce que. On va pas être con, mais. Ça. Ça sert à rien que je le mets. Je viserai pas avec le flingue. Donc c'est-à-dire je peux le mettre sur le fusil. Pas du tout. Ah si. Ah bah c'est mieux de le mettre sous le fusil. Mais c'est trop cool ça. Et là c'est quoi ça? Je fais quoi avec ça moi? Je peux faire des kits. Vraiment le truc le plus important. Oh bien. Là j'aime beaucoup le sac comme il est fait. Y a rien à prendre, non? C'est bon. J'ai pas compris comment je dois aller là-bas. Je dois repasser avec mon bateau? Attends, il est où mon bateau? Ouais, on dirait qu'on peut y aller avec le bateau. Ouais, oh, vas-y, on va y aller avec le bateau. On va pas faire les cons. Ah merde. C'est fou que des jeux de PS4. Parce que là il est en PS5 hein. Mais qu'ils ont quand même fait le réglage des manettes, parce que je sais pas, pour les gens qui connaissent pas les PS5, les manettes de PS5 sont grave sensibles. Donc là pour moi les gâchettes sont super dures en bateau. En fait j'ai la, comment expliquer là, je sens la force dans l'eau en fait. Et j'ai mis mes manettes à moitié. Hein. D'ailleurs, les mecs qui jouent avec le truc à fond, ça doit être malade, les sensations. Je dois atterrir où? Je dois atterrir où? Me pacter où? Que la paix soit avec vous, Adige. Notre Saint-Pierre. Oula, bonjour vous. A commencé son sermon. Entre vous. Notre peuple est pacifique, alors donne ton arme, s'il te plaît. Et bienvenue. Bonjour. Il y a les manèges, là. Les parcs avec les bateaux, là. Qui m'insulte là? Elles ne sont pas dignes de la protection du poisson. Chassons-les! Elles doivent se repentir! Patience, mes frères et sœurs! Patience et tolérance! Car vous devez accepter vos voisins comme le Seigneur vous accepte, vous, pour détourner leur âme du péché vers la grâce céleste de la foi véritable! Alors pardonnons à l'enfant, car elle ignore la folie de ses paroles. Pardonnons, mes frères. Prions pour l'âme des pécheurs et pardonnons à l'enfant, comme le Seigneur nous pardonne à tous. Amen. Qu'est-ce que je dois faire là? Je peux avancer ou... Bon, on avance. Hein.
pas rester là comme un con à les écouter me dire embrasse la. Attends. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça sent l'emmerde. Oui, je m'en fous du viseur sur le petit gun. Hein. Pour l'instant, j'en trouve un, je lui mets dessus. Hein. C'est lui, maman. C'est l'homme du train. Il est venu nous sauver. J'ai du mal à y croire. J'avais perdu tout espoir. On n'est pas d'ici non plus. Silentus nous tient enfermés ici depuis un an. Oui, c'est vrai que les gens du pont ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentus les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours, il y a une sortie en bas. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais... Bah, tu veux que je passe par la fenêtre, toi? Artyom, elle a raison. Toi, t'as rien à me donner? Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Non. Allez, Nastia et moi rejoindrons votre train par nous. Ouais, c'est très gentil, madame. C'est très aimable à vous. Ça sent la merde ton histoire là. J'ai cru que c'était des saucisses. Ok, go. Je sais pas si je dois les tuer. Bon, je suis pas là pour rigoler, moi. Tu vois, s'il faut qu'on les tue. On va dire que c'est fait, quoi. Non, mais oh. Moi, je me laisse pas faire, moi. Alors, attends. J'ai pas fini de fouiller, là. Et c'est bien, c'est que j'ai récupéré des... Attends, comment on fait déjà? Comme ça. Comme ça. Regarde, c'est tout nouveau, ça. Hein. Pourquoi je peux... Oh, c'est quoi, ça? Oh, putain, précision, stabilité. Ah oui, je lui mets une poignée au gun. Bah, je peux dire non. Hein. J'ai gagné que ça? Ah, oh, j'ai cru que j'avais gagné un autre truc. Ok, ok, ok. Alors maintenant, le magnum, je le tiens à deux mains, quoi. Artyom, je peux pas te couvrir à l'intérieur. Je vais changer de position pour retrouver la femme et sa fille. T'as vu l'hérétique, ma sœur? Donc tu l'as vu, c'est pas tout, ils sont combien là? Deux. Non. Trop dur. On est quand même mieux ici. Mais c'est comme j'ai compris, je dois. Je dois les démonter, hein. Beaucoup, hein. En fait, les gens de cette ville sont gentils, mais c'est les autres autos qui sont pas gentils. Et qu'est-ce que je viens foutre là, moi? J'aurais pas dû monter là-dessus. De l'alcool, ça? Ah non.
On fait les poches. C'est déjà bien. C'est quoi ça? Et pourquoi ça, ça... Il y a quelque chose là avec ça? Je... Mais je croyais comme il y avait un symbole. Allez, on redescend. Plus vite qu'on est monté. Bon. Ah bah là, c'est tendu, cette histoire. Je crois pas qu'il m'a vu ici. Il vient pas. C'était une ombre. Attends, j'ai un silencieux, hein, c'est juste one shot. Hein. Je dois aller voir. Mais ouais, vas-y, on va le laisser tranquille, on va pas faire le con. C'est calme jusque-là. J'espère que ça va continuer. Le but, c'est pas de schlinguer tout le monde non plus, c'est que je m'en sorte. C'est deux choses différentes. Avec ce bateau. C'est fou comme les gâchettes sont dures. Bien joué, Artyom. Tu es un vrai ninja. Je pourrais t'embrasser. Mais je dois emmener Katia et Nastia à l'Aurora. On se retrouve là-bas. Regarde ta carte. Je crois que tu peux y arriver directement à la rame. Ça donne pas envie d'aller dans l'eau quand tu vois ces grosses bêtes là. C'est où je dois aller? Non mais regarde ce machin là-bas. Je te descends. Le problème c'est que je sais pas dans le sens qu'on est. C'est un rond. Ils ont pas fait comme tous les jours où ils mettent une flèche. Quoi? Ça va, wow. Ça a de la vie, ces conneries. Artyom, par ici. Ouais, bah par ici, ouais. Je veux... Ouais, je vais péter un câble, c'est quoi ça? Non, mais non, il y a un poisson chat, le truc, il est plus gros que le bateau, quoi. Et bah oui, oui, bah oui. Et on va dans l'eau. Tout pue et va dans l'eau. T'es qui toi? Oh putain, c'était quoi ça? Une baleine? Oh merde, c'est énorme! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Je vais regarder un truc. Tant que lui il parle, parce que là je viens de voir un truc là. C'était où déjà? Vidéo. Non. Son. Haut-parleur de la manette. C'est quoi ça, haut-parleur de la manette? Trop fort. Pourquoi on n'échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. Mais y a pas un système pour que ça arrête de parler quand je tourne? C'est chiant. Ça c'est quoi ça? Non, bon, il n'y a pas l'air d'avoir un truc de son. Hein.
spoiler de... Bon, tant pis. Pâle. Dommage. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Attends, mais j'avoue que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. C'est-à-dire, le temps qu'il me parle... Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant. Regarde cet avion, là-bas. C'est-à-dire, je peux regarder mes armes. Quelques bricoles. Je vais devoir rester encore un peu. Ok. Les crevettes okay. Me donnent du fil à retordre. Putain, mais il me reparle, il me casse les couilles. J'aimerais bien réussir à convaincre le poisson-chat de bouffer toutes ces saloperies. Je me demande comment Mowgli faisait pour parler aux animaux. Mowgli. En parlant de Mowgli, on a le même groupe sanguin, toi et moi. T'as remarqué? Ok. Allez, tu feras mieux d'y aller, Artyom. J'ai bien l'impression que beau papa essaie de nous changer en colonne de sel avec ses jumelles. Waouh. Attendez, je me roule une clope le temps qu'il raconte de la merde, là. Mais waouh. Ah oui, là, faut que je m'en vais, là, parce que... Le mec, il te parle de Mowgli, et d'un coup, il te sort... On a le même groupe sanguin, quoi. Quel rapport avec Mowgli, je sais pas, mais... Putain, j'en ai pour deux secondes. Hop, c'est bon. Bon, faut que je regarde où je vais. Faut juste que je retrouve mon briquet, c'est bon. Donc, nous, on est là. Ah si, une petite flèche, j'avais pas eu. Ça, c'est bien, c'est qu'on peut tourner avec la flèche. Avec la carte. On peut même se déplacer avec la carte. Parce que combien de jeux qu'il y a qui est pas, qu'on peut pas faire ça. Ok. Bon, bah, faut que j'aille par là. On va reprendre mon magnum. Est-ce qu'il parle du journal? J'ai pas compris le journal. Mais non, ça c'est la caméra, je m'en bats les steaks. Ah ouais, lui, il me sent pas aller dans les fils, lui. Bah, c'est là. Salut tout le monde. J'ai un problème avec les lumières dans le jeu. J'en étais un, je vais rallumer autre. Je me sens tellement nul. J'aurais dû atterrir sur cette piste. Mais le vol s'est passé bien. Quand tu tires sur un bonhomme, le mec il se pète la gueule, quoi, c'est normal. Et puis ce attends, c'est quoi? Oh! Alors attends. On démonte. Personnellement, je m'en fous, j'ai personne, mais les autres, ils ont de la famille là-bas. Je peux pas y aller, je comprends pas. Non. Bon, c'est vite chiant, hein, mais. C'est pas du 12 euros. Ah, c'est tant que ça arrive. Hein. C'est ça le gros problème, c'est qu'on joue beaucoup de jeux donc. Ah, putain, je me suis trompé. Donc là, vaut mieux que je me... Ouais, vaut mieux que je mette tout de suite là. C'est pas du tout, là. Vaut mieux peut-être que je mette ça. Attends, est-ce que je peux le mettre sur le... Non, je peux pas. Donc on va le mettre sur ça. Un jour, j'apprendrai à arrêter de faire de la merde. Voilà. Toujours pas comme ça. Et là, je lui mets le gros viseur. Ok. Et là, le gros viseur, fais voir. Donc là, j'ai un petit viseur avec le silencieux. Et là, voilà, cog. Après, on a même... Ah si, on a même pas de flèche pour tirer, mais si. C'est bon, j'ai tout ramassé. Une arme de
merde. Ok. Ça c'est cool qu'on peut améliorer les armes. Franchement, pour l'instant, à part le graphisme, ça voilà, c'est Métro. Métro, un connaisseur de Métro, je sais que c'est comme ça le jeu. On peut pas dire, un mec peut pas dire un Métro est en full HD. Mais là, le concept du jeu, pour l'instant, je suis toujours aussi amoureux que comme dans le premier que j'ai joué, le 1 et le 2. Et c'est énorme qu'on peut modifier ses armes tout. Donc ils ont fait une belle amélioration dans le jeu. Et adapter la manette de la PS5 tout avec, pareil, vous l'entendez pas sur le live, je sais pas. Moi j'ai le la radiation que j'entends dans ma manette tout le temps. Ça fait clac clac. Ça, c'est par là que je dois aller? Ah ouais, et je dois tuer ça? C'est quoi ça? C'est moins rigolo d'un coup là. Ben ouais, mais moi je peux pas me battre avec ça moi. C'est bon. Non mais oh. J'aurais dû faire un système d'XP. Non mais t'as vu ces machins là? C'est... Ça a bien changé hein, le nucléaire en fait, il a fait des mauvaises choses hein. Oui parce que pour les gens qui ne connaissent pas, il y a eu... La planète est irradiée. Complètement. Donc on est dans l'apocalypse à 100%. Hein. Autant dans le 1, dans le 2, et dans celui-là. Qui est le 3. Qui est sorti sur PS4 et qui ont refait pour PS5, ça c'est plutôt propre. On fait attention quand même. C'est quoi? Ah mais il est tout petit aussi? Non. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? C'était quoi? Oh, je vais voir. Oh, c'est quoi? C'est lui? Bon, on se casse de là. Parce que ça sent que je vais mourir là. Bon, je comprends, j'essaie de comprendre. Hein. Les gens qui veulent lire, hein, je vous laisserai mettre des pauses. Hein. Et moi, désolé, je veux pas lire. Hein. Donc, je fais juste ça. Comme ça, sur YouTube, vous avez juste à mettre pause pour lire tout ce qu'il y a marqué. Putain, il y en a pour 2 km là de ligne. C'est bon. J'adore quand tu prends quelque chose sur un bonhomme quand même. Je peux allumer quoi là? Ah. Bon, c'était où? Toujours par là, ok. Je suis pas à l'aise avec ces grosses bêtes dans l'eau là. Oh, attends, mais je suis revenu au train là. Ok, ouais, c'est bien en train que je dois aller alors. Tiens, j'étais pas sûr. Artyom, la terreur des forces. Tu es vivant? Non, non. Impressionnant, après toutes les horreurs que Duke nous a racontées. Viens. Elle est rassurante comme femme. Papa fin, est en train de discuter avec Katia. Elles sont si gentilles. Aussi bien Katia que sa fille. Et la formation médicale de Katia nous sera bien utile. Merci pour les renseignements, Katia. Bonjour les gens qui viennent sur le live. Et au revoir. Hein. Après, désolé qu'il n'y a pas autant d'action que vous pensez. Hein. Qu'est-ce que tu sais? Ça, c'est sur le début du jeu. Hein, hein? Ah, je suis désolé, je vois pas de quoi. Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région?
Non, j'ai vu aucune armée. Mais on n'a pas beaucoup bougé d'ici non plus. Je vois. Artyom, t'as une minute ? Merci, Artyom. Sans toi, on n'aurait jamais pu s'enfuir de cet endroit. T'as fait diversion et ensuite Anna nous a trouvés. Oui, oncle Artyom, merci. Et ta femme est super. Elle est gentille et très forte. Merci, tante Anna. Tu vois, Artyom, quand je te disais que tu avais de la chance de m'avoir... Comment tu sais que c'est ma femme ? On a tous de la chance d'avoir Anna. Il n'y a pas de meilleur sniper. J'espère que ta maman pourra nous accompagner avec un vrai médecin. Plus rien ne pourra nous arrêter. Artyom, passe-moi voir quand on aura fini avec le... Viens voir, s'il te plaît. T'as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yarmak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, attends, je vais faire que des allers-retours là. On commence à y voir plus clair. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Ok. T'es encore là, Artyom ? Ouais, deux secondes, j'aurais mis ma carte. Donc je peux passer par là. Comment on y va ? Parce que je veux bien, mais ton bordel là, j'y vais comment, moi ? Attends, ça a l'air de... T'as un truc de merde, là. Comment on y descend ? Par là ? La boussole de votre bloc-notes ? Ah ben ça, je m'en doute. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ? Ah bah si, ok, oui. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, ok. Ouais, je comprends mieux. Attends, je dois prendre le bateau encore ? Faut encore me taper des crabes, là. Allez, go. Ils sont gros, là, hein. Ah, je savais pas ça. Comment j'ai fait ? Ok. Mais oui, tiens, l'autre me crache à la gueule. T'es bien par là ? Ah, vas-y. Pas cool, ça. Oh là, ce gros truc là-bas. Ouais, je descends de là, moi. Non, non, non.
des baleines quoi dans le bordel. Je sais même pas si je peux aller là. Voilà. Alors, c'est bon, je viens ici. Pourquoi il neige pas ? Il pleut. C'est quoi ça ? Ouais, il y a des trucs que je me rappelle plus, hein. Je jure, ça se voit que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué au 1 ou 2. Je me rappelle pas du tout qu'il y avait des monstres de... des espèces d'humains. Ah ouais, pour ça c'est vraiment... C'est vraiment de... me rappelais pas de ça, hein. Je dois me soigner, je dois faire quoi? Et je sais même pas où elle est, ma vie. C'est ça qui est dommage. Putain, j'ai fouillé. Oh, ça va être tendu, cette histoire. Moins drôle. Pourquoi il meurt pas? Mais lol, il l'a tué lui-même. Ouais bah il est pourri le gun, hein. Il est bien mais pas sauvé. Oh ah, mais là je vais rien voir. L'autre il lui a jeté un caillou sur la gueule quoi. On en parle? Il a tué son propre pote. C'est quand même drôle quand même. Ah, j'aime pas ça, putain. Casse-toi l'araignée, cassez-vous. Ah, ça donne des frissons cette connerie là. Et l'autre il se laisse marcher des araignées sur lui quoi. C'est pour des araignées de merde hein. Le truc est plus gros qu'une migale, quoi. Comment je lui enlève ça? Normalement, ils sont tous morts, non? Tous montés. Sauf là, les ressources dans le jeu, hein, c'est comme dans le VL2, hein. Ils sont énormément importants. Donc là, je peux pas dire, ouais, vas-y, c'est pas grave, j'y répondrai les ressources plus tard. Ah non, ah non. Encore des araignées, je tourne la tête. Hein. Ah, c'est bon. Pareil, il est quand même bien fait. Vous avez pas vu, mais quand j'ai plus de batterie dans la lampe, je dois la recharger moi-même. Avec une machine. Je trouve ça vraiment propre. Comme ça, là. On a peut-être plus besoin de... Bah, voilà, avec ça. Attends. Voilà, on va l'éteindre parce que ça ne sert plus à rien. Pareil, est-ce que je peux refaire des kits? Tant que c'est sûr avant qu'il y ait des choses graves. Pour fabriquer 4, c'est déjà bien. Ce que je pense, c'est vraiment le truc que je vais utiliser le plus, ça. Attends, je suis pas au bon endroit, moi. Ouais.
fille qui parle. C'est moi ou j'hallucinais? Attends. Ah, je viens de le voir. Il est là. Ok, faut que j'aille là. Bien fait, hein, même l'appui, j'aime bien. C'est ça qui est bizarre dans le jeu, c'est que le graphisme, c'est pas... Il est sympa. Après, il y a plus joli, hein, logique. Hein. Mais... Le son du jeu est magnifique. L'appui, on l'entend super bien. Ça pue là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Surtout que tu tires à côté, on dirait. Non. Là je vais mourir. Ouais, j'ai fait la merde. Là j'ai fait de la merde. Fallait que je recharge moi-même. Mais je savais pas. C'est chaud ça. Attends, mais on me tape dans le dos. Ah oui, effectivement. Faut mourir. C'est bon, t'es mort. Mais putain, mais... Voilà, ça vient tendu en niveau balle. Est-ce que j'ai tout tué ? J'entends un. Il est où? Je suis en panique. Non, attends, je suis pas taré là. Je devrais jamais aller là-dedans. Vraiment. Je sais pas ce que je fous là. Pourquoi je suis tombé? Pourquoi? Mais quoi? Oh, rien. Ouais, on va dégager de là. On va revenir après là. Ça pue trop ici. Donc j'ai niqué toutes mes balles. J'ai fait le kéké là. Oh, je peux l'enlever, je suis bon. Non, elle bon, elle est. Voilà, j'ai vraiment fait le con là. Comment je peux monter là-haut? J'espère qu'il faut pas que j'aille en bas en fait. Hein. Attends, je vais aller voir là-bas. Je trouve de la munition là. Hein. Vraiment, hein. Je suis en. Attends, mais je suis con, mais j'ai pas regardé là, dans mon sac qu'on peut en faire. Moi, je pense pas, mais... Ah si! Ah non, c'est des couches. Des couteaux de lancer, c'est pas des balles, ça. Je peux pas faire de balles? Ah ouais, ça c'est... C'est quoi ça? Bah merde, bah non. J'y voyais un peu gros quand même, mais c'est jamais. Y'a rien dans cette maison là.
voyez des bêtes vraiment cheloues dans ce jeu. Faut pas être un peu heureux des bêtes. Hein. Mais y a rien. Y a un placard quoi. Qui est déjà ouvert. Bon, bon, y a rien ici. Ah, j'ai compris qu'il était là-haut, mais alors là, comment je peux y aller? Ah, attends. Peut-être en montant sur... Non, il est passé par là, lui. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il a fait un bruit comme si on venait de fumer 23 paquets de clopes? C'est une blague? Non mais c'est une blague. Le problème c'est que c'est pas des humains, donc je gagne aucune munition. Putain de sale. Ouais, il m'a fait peur, vraiment. Hein. Pourquoi ils sont 22 là? J'ai pas le choix, j'ai pas de balle. Bah oui, bah lui il me saute dessus, il m'a pu je sais pas quoi lui. Ils sont dégueulasses hein. C'est dur là hein. Des balles. J'ai plus de balles, c'est bien dur là. Hein. Non mais c'est complètement taré leur truc là. C'est sympa deux minutes, mais non mais j'ai tué je sais pas combien de monstres avec zéro balle. Bah avec zéro balle j'ai quand même tiré 2-3 mais. Parce qu'en plus c'est nul, tu tires des balles sur une, tu peux même pas. Des cotoles, tu vois. Bon, au moins j'ai tout niqué, c'est déjà pas mal. Ah ouais, en fait, donc j'aurais vraiment pu passer par le bas. Ok. Putain, faut vraiment que je trouve des balles, hein. S'il vous plaît, le jeu. Parce que là, ouais, j'ai zéro balle à droite, zéro balle à gauche. Une balle, quoi. J'ai une balle. On va aller loin avec tout ça. On va tuer du rien. Putain. Ah, je vais pouvoir créer des kits de soins, hein. Ça. Ça, je le cache pas. Hein. On va même en faire. Ah ouais, et deux. Donc voilà, dash. Au revoir la personne. J'ai tout fouillé.
Non, non. À un moment où je stoppe, quoi. Ah ouais, je peux pas, là. Oh mec, c'est comment, là? C'est moi ou le mec était en train de monter et il s'est fait tuer? Ah non, c'est un monstre. Ok. J'allais dire, pas mal. C'est quoi ça? Ouais, mais ça se promène dehors en fait, il n'y a même plus de... Ouais, allez, casse-toi, casse-toi. Ça pue trop ici. Non, non, je monte en bas. Un peu comique, vous savez. Oui. Tu t'es débrouillé comme un chef, Bratuka. C'était très impressionnant. Ces mutants sont coriaces. Les villageois ne peuvent rien contre eux. Mais toi, tu les as littéralement décimés. En tout cas, enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Crest, au fait. Tu viens du train? Les villageois n'ont même pas voulu vous parler, je parie. Ils ont immédiatement ouvert le feu, pas vrai? Évidemment, quelle bande d'abrutis! Depuis le temps que je suis là, je connais la chanson. C'est une vraie secte là-bas. Ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde. Alors ils sont jamais bien tendres avec les gars futés. Et moi, ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés. Parce que, tu vois... Je suis de mèche avec Satan, il paraît. Je suis une sorte de sataniste. J'ai réparé des moteurs et fait du commerce toute ma vie. Mais j'ai décidé de partir vers l'Est. J'en ai ma claque de cette région, j'ai plus rien à y faire. Les villes ont disparu, ça grouille de bandits et de créatures. Et c'est grand de l'autre côté de la Volga, y a de quoi faire. Donc, je suis venu ici avec ma drésine pleine de marchandises. En espérant en vendre un peu en chemin. Ha, c'était une belle connerie. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Enfin bref, depuis votre arrivée, j'ai repensé à ce plan que j'avais imaginé mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul. Alors, comme vous aussi vous allez vers l'Est, d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles, c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore. Ah, au fait, tiens, prends les jumelles, je vais t'indiquer ce qu'il y a dans le coin. Commence par le pont. Tu vois la section en haut? Elle doit se baisser si... Ce que j'allais faire, j'allais prendre ma longue vue. Katia de l'église en saura plus que moi. Je suis jamais allé jusqu'au pont, personnellement. C'est quoi qui veut que je regarde? Là, sur la droite, cet énorme hangar, c'est le terminus. J'ai pas compris. Les fanatiques en ont fait un lieu de culte. Ils l'ont recouvert de graffiti. C'est là que vit leur poisson de tsar. Bande d'abrutis. Encore plus à droite, tu vois le bâtiment près des wagons? C'est un ancien dépôt de train. Il est occupé par les bandits maintenant. Mais l'endroit n'est pas si mal. La zone d'à côté n'est pas mal non plus. C'est un bon coin de chasse. J'ai installé plusieurs abris dans le secteur. Si tu les trouves, tu pourras te reposer, réparer ton matériel. À moins que tu préfères dormir à la belle étoile, prenne un feu de camp. Allez, je vais te montrer ma maison maintenant. Vas-y, comme ça après j'arrête. Et après je vais me coucher. Oh, bouge-toi le cul quand même, mec. Bienvenue dans ma grotte. Et voilà, Gide. Je vais te dévalider, hein, je le dis. Oh, tu es bien ami. Alors, si tu es fatigué, sache que tu es ici, chez toi. Je me suis fabriqué un établi pour bricoler. S'il te faut des munitions ou des grenades, tu trouveras de quoi en faire. Tu peux te servir. Ah bah là, tout oui. Ce que tu veux. Je pourrais pas transporter tout ce merdier de toute façon. Allez, sois pas timide.
fabriquer des munitions explosives, réparer votre masque à gaz. Ah oui. Ok, attends, je vais juste le tour regarder s'il n'a pas d'objet, lui. J'ai amassé un paquet de connaissances là-dedans. Et regarde ses mains. Elles savent tout réparer. Vous allez pas regretter de m'avoir dans votre école. Alors, c'est où c'est là ? On regarde ça, on apprend. Donc, normalement, moi je vais faire des boules. Attends, on va réparer déjà le masque. Avant que ces trous du cul me foutent à la porte. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. J'ai réparé le masque. Là, les balles, hein, c'est vraiment important. Je vais faire des balles de pistolet. Non, pas des montées, j'ai failli faire carré. Oh non. Je te déconseille quand même de t'en prendre à eux. Ce sont des pauvres gens à qui on a lavé le cerveau. On arrivait à dû leur coller les jetons. Ouais, tant pis. J'ai au moins fait les pistolets. Attends, mais j'ai tout fait là comme un con. J'ai pas fait. Ouais, c'est mon con le bordel là. T'as rien à craindre de ces gens. C'est quoi ça? Les monstres, c'est une autre histoire. Hein? Par exemple, bien, je vais installer la boussole sur ton avant-bras. Un seul, c'est rien. Mais si jamais tu tombes sur un groupe, barre-toi. Ah, et là, je peux arriver. Une fois, j'ai dû abandonner tout mon merdier pour leur échapper. Et je pense que j'ai eu vraiment du bol. Oh, ces enfoirés sont malins. Ils balancent des pierres. Ça fait un mal de chien. Les humains sont bien pires. Des bandits sont installés dans le coin récemment. J'ai aucune idée de ça. Trop bien ça. Il y a tous les produits que je vais retrouver, tout, je vais tout nettoyer. Oh, c'est cool. Comme s'ils attendaient quelque chose. En tout cas, ça laisse rien présager de bon. Les villageois prétendent encore mieux. Ils sont partis pêcher. Donc, on va faire les deux. Hein. Ouais. Ils sont jamais revenus. Enfin, je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais je crois que ton chef a besoin de toi. Vas-y, j'ai quelques affaires à rassembler. On se rejoint dans le train. Ah merde. Tant pis. Au moins, j'ai nettoyé le pistolet. Comme ça, je fais plus de dégâts. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Comment ça marche la sauvegarde ? Je vais pas du tout faire ça. Je pensais pas que ça me sortait. Alors nuit, jour. Je sais pas c'est quoi en bas. Bien à 4 jours nuit aussi, ça, c'est vraiment bien. Pour l'instant, je suis à 8 sur 10 pour l'instant. Il me manque 2. Et je pourrais même mettre 9. J'aime vraiment beaucoup. Bon, on sauvegarde. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas sauvegarder? Pourquoi je peux pas sauvegarder? Je comprends pas. Non, là, après j'arrête les gens. Je vais me coucher. On sauvegarde. Voilà. Allez, je coupe. A plus tout le monde, merci d'être passé.